Salut à tous, alors aujourd'hui, petite nouvelle concernant le nouveau Kia Soul qui débarquerait en France fin du premier trimestre 2019. Donc en gros, pas avant fin mars, début avril. Et voilà, avec soit une batterie de 39,2 kWh, soit une 64 en gros, comme le Kia Niro et le Hyundai Kona. Ils se font pas chier, Kia Hyundai, ils font la même philosophie pour tous leurs véhicules, bah, ils ont bien raison. Bon alors niveau photo, ça donne quoi ce Kia Soul? Bon, évidemment il a été aperçu aux États-Unis en mode camouflage. Mais il ressemble beaucoup à l'autre, hein. C'est le même genre de véhicule de toute façon. Les phares ont l'air un peu différents. Mais sinon c'est toujours aussi carré, rectangulaire, donc ça plaît pas à tout le monde, on va pas se mentir. Moi il me plaît pas trop ce véhicule, donc bon, à voir, peut-être qu'il sera mieux à l'intérieur. Il annonce que il fera 4,20 m à peu près de longueur, et l'intérieur il y aura un bel écran de 10 pouces visiblement, d'après ce que le monsieur de Kia France nous dit. Donc à voir, hein, ça peut être pas mal, hein, s'il est bien upgradé. Et faut voir aussi le prix surtout, comment il va se positionner par rapport au Kia e-Niro et par rapport au Hyundai Kona. Voilà, à suivre, hein. J'en reparlerai sur la chaîne de toute façon. Je vous souhaite une bonne soirée, ciao!